Bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Très bien, vous? Ça va. C'est quoi votre nom s'il vous plaît? Moi c'est Gallo Amadissaga, communément appelé Mizitozi. Mizitozi, vous êtes artiste? Non, je ne suis pas artiste, mais j'étais un joueur au fait, mais bon, là j'ai arrêté maintenant, le temps ne me permet plus maintenant. D'accord, j'ai une question pour vous. D'accord. Votre ex travaille à la pharmacie. Ouais. Qu'est-ce que vous irez acheter là-bas chaque jour pour l'énerver? Ouais, question bizarre, mais là je dirais que j'irai acheter chaque jour, parce que je peux dire un paquet de préservatifs ou des effets de toilettes, ce que je vais acheter. En plus, c'est un paquet. Ouais, un paquet, pourquoi pas. Chaque jour, je peux acheter cela pour lui montrer que ouais, j'en utilise vraiment. Hein. Chaque jour et chaque instant, pour l'énerver, je pourrais le faire. Mais est-ce que vous allez utiliser ça chaque jour? Bon, je ne peux pas utiliser ça chaque jour, mais bon. Tu le fais pour l'énerver? Ouais, ça va travailler sur sa tête, en fait. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, votre ex? Bon, c'est bizarre, hein. L'histoire là, quand je vous raconte, c'est... Je vais pleurer. Choquant. Allez-y, moi je suis là pour ça. Ah, franchement, moi je ne me choque pas, oh. Allez-y. D'accord, bah, je dirais qu'elle a été matérialiste envers moi. Matérialiste en plus. Ouais, ouais. Ok. Car puis, elle m'a trompé juste à cause d'un iPhone. Hein. Imaginez un iPhone. Un simple iPhone comme ça. J'ai dit iPhone, ce n'est même pas 12 comme ça, comme la mienne, un iPhone XR, je vous dis. XR, et puis ça avec un petit, hein, un petit. Et puis ce qui fait mal, que le petit là aussi, c'est le petit frère d'un ami. Elle ne savait pas cela. Attendez. Car la fille a accepté de sortir avec un jeune à cause d'un iPhone, ou bien c'est parce que le jeune l'a donné l'iPhone? Au fait, la fille, comme elle était en galère, elle n'avait pas de téléphone, son écran cassé, elle dit qu'elle veut un iPhone. Elle m'a expliqué, moi j'ai dit, j'ai pas les moyens pour acheter un iPhone pour le moment, mais je pourrais acheter un Samsung correct. Mais bon, elle n'a pas compris et du coup, elle avait un petit ami derrière moi, je ne savais pas. Et donc ce petit ami, c'était le petit frère d'un ami aussi. Le petit frère de toi, ton ami? Vraiment, j'ai tout compris, vous voyez. Donc c'est un peu le cas. Et du coup, ce qui fait marrant, le petit aussi m'appelle, m'explique le cas, il me montre les preuves. Vraiment, le petit savait que tu sortais avec la fille? Le petit savait que je sortais avec la fille le jour donc qu'il a acheté l'appareil pour remettre à la fille. C'est là où il a récupéré l'appareil de la fille. Il a vu nos conversations. Il a dit que ouais, vraiment que nous sortions ensemble. Et du coup, le petit m'a appelé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé entre nous, tu vois, et c'est quoi notre relation. Et du coup, lorsqu'il m'a appelé, je l'ai expliqué tout, et il m'a montré les preuves. Il dit, ah, grand, la fille là, franchement, elle joue avec nous, elle joue avec nos sentiments, tu vois. Et franchement, moi, j'aimerais que réellement qu'on la fait venir. Et je lui ai dit, non, moi, je ne peux pas faire cela. Et tant que j'ai des serres, je dois me marier, je dois être responsable, donc je ne peux pas faire ça ainsi, tu vois. Si elle se comporte ainsi, donc c'est pas la peine de la honnir, de la laisser tranquille, parce que c'est pas la seule fille en fait dans cette monde en fait. Ouais, je suis d'accord, mais après, est-ce que la fille était au courant? Ouais, elle était au courant, mais bon, vous deux. Moi, quand je tourne la page, c'est fini et j'ai pas la haine. Après, donc vous avez tourné la page? J'ai tourné la page et après ça, elle a commencé à m'appeler, à s'expliquer. J'ai dit non, oublie ça, c'est du passé. Et bon, j'ai déjà tourné la page. Aujourd'hui, est-ce que vous avez mal un peu au cœur quand même? Bien sûr que oui, à chaque fois que je pense à cela. Ça vous fait mal? Ça me fait très mal et je suis choqué. Vous êtes choqué? Ouais, ça me choque toujours en fait. Mais est-ce que vous l'aimez jusqu'à présent? Je l'aime quand même. Mais si elle aussi, elle vous aime, pourquoi vous pouvez pardonner? Non, c'est fini en fait. Moi, en fait, je ne donne pas à une fille de me faire du mal. Mais est-ce que le gars l'avait donné l'iPhone? Il n'a pas donné, malheureusement. Et puis, parfois, les filets aussi n'est pas bon. Hein. C'est même pas parfois, c'est pas si bien. Si vous voulez, je peux vous montrer les cartes. Allez-y, montrez-moi. Nous, on aime les guerres. Les guerres. Oui. On va prendre ça. On aime les guerres. Un conseil pour les garçons. Évitez les femmes claires. Mais les femmes claires, là. Attendez, elle n'est pas courte quand même. Non, elle n'est pas courte quand même, mais voilà. Femme claire là, jolie mousseau là, il faut éviter. Moi maintenant là, si ce n'est pas à Poutou, et puis femme noire là, je ne sais pas. Merci beaucoup, montrez-moi les captures d'écran, nous on aime ça. Là.
les filles actuellement là. C'est bizarre, hein. Mais vous aussi, vous les hommes aussi, vous êtes dedans, hein. Bien sûr que oui, il y a ces hommes aussi, hein. Il y a ces hommes, c'est pas chez les filles seulement, mais la majorité c'est chez les filles, hein. Chez les filles, bien sûr que oui. Ah, ça c'est l'iPhone? Ouais, vous voyez ça? C'est le téléphone que j'ai acheté pour elle. Je voulais la donner hier, mais dès qu'elle est venue, mon cœur m'a dit, regarde son téléphone d'abord. Voilà. Après toi, tu as dit, ouais, c'est comme ça. Les filles sont actuellement. Elle finira pauvre, elle sait où elle vit, comment est sa vie en fait. Ok, en fait, tu discutes avec ton petit là. Ouais, j'ai discuté avec le petit, tu vois. Oui. Et puis finalement... Et il dit, et grand, le téléphone là, j'achète une puce, je mets dedans. tu vois le verre de ça? Non, mais non, je suis choquée, hein, je suis choquée.